j'ai ce désir de suivre le Christ, voilà, jusqu'au bout. C'est ma troisième année maintenant où je suis au séminaire et je vois une réelle évolution, une vraie construction, c'est une vraie joie, oui, de mieux découvrir qui est le Christ, donc par les cours que nous pouvons avoir. Une vraie joie de découvrir, voilà, qui est l'Église, une vraie joie aussi d'être ensemble avec d'autres chrétiens pour essayer de répondre le plus fidèlement possible à notre vocation. Je suis né donc à Brest dans une famille catholique chrétienne, pour dire dans un terreau favorable à la vocation. Et c'est en quatrième, dans un moment quotidien, il ne s'est rien passé de particulier, mais j'ai senti à un moment ce désir de devenir prêtre, un grand désir qui était très fort, où à ce moment-là j'ai bien compris déjà que Dieu était présent, qu'il m'aimait, et que sans doute il m'appelait donc à le suivre dans une vocation particulière. Et je me rappelle qu'à partir de ce moment-là, donc, a commencé une véritable relation personnelle avec Dieu. En tout cas, pour moi, je vois que la prière, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et donc, si je me rappelle de toute mon expérience, j'ai vu une réelle évolution dans la prière qui s'est faite par des rencontres, par des groupes de jeunes que j'avais lorsque j'étais jeune, par le MEJ, par le scoutisme en particulier. Aujourd'hui, lorsque je suis avec des jeunes, c'est parce que je suis, parce que nous faisons ensemble, c'est sûr, j'apporte quelque chose pour que les jeunes construisent une relation privilégiée, personnelle avec le Seigneur. Mais sachant que ce que je peux faire, ce que je peux apporter est toujours une aide extérieure. Le vrai maître de la vie spirituelle, c'est l'Esprit Saint. Ce qui est assez beau en fait au séminaire, c'est que nous sommes vraiment tous différents dans notre parcours de vie, notre parcours spirituel, notre relation avec le Seigneur. Mais chaque personne est unique et le Seigneur appelle chaque personne, les personnes qu'il veut. Et c'est cet appel du Seigneur en fait qui nous rassemble. C'est le Seigneur qui nous a rassemblés. Pour grandir dans ma relation avec le Christ, je vois deux choses qu'on a déjà plus ou moins partagées. C'est d'abord le cadre que le séminaire nous donne, c'est-à-dire un emploi du temps assez fixe, des moments de prière fixés, ensemble, communautaires. Un emploi du temps permet tout simplement de rester fidèle au Seigneur, parce qu'on sait lorsque l'on va prier, même si on peut bien sûr avoir des moments plus gratuits avec le Seigneur. Le fait de faire communauté également avec les autres séminaristes est une vraie aide également. Mon espérance est d'apporter les personnes vers le Christ, quelles qu'elles soient dans la société qui sera celle du futur.